Bonjour, 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 nous sommes en live, c'est le live backstage du matin. Donc cette fois-ci, nous sommes en direct. Alors attendez, est-ce que tout va bien niveau son? Va bien niveau son? Dites-le-moi, parce que c'est important. J'ai eu plein de problèmes techniques ce matin, ça n'arrête pas. Donc un peu pénible, mais bon. Voilà, donc c'est un peu la galère. Donc voilà, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube Armo Chopin cours de musique, en simultané sur la page Facebook de l'École internationale d'harmonica. Et depuis ce matin, 8 h, ça fait 3 h que j'entends du marteau-piqueur. J'en ai marre. Bon, voilà, on va faire de la musique, hein. Je vais essayer de faire fi de... depuis ce matin, là, ça n'arrête pas. Et je vous même pas, et ces cons-là, ils sont même pas capables de faire du marteau-piqueur en rythme. Bon, je dis ces cons-là, j'ai rien contre les gens qui font du marteau-piqueur. S'ils le font, c'est qu'il faut bien le faire. Mais c'est vrai que c'est vraiment très, 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 très pénible. Bon, bref, alors on va essayer de faire de la musique. Donc, dites-moi si tout va bien niveau son, parce que j'ai plein de problèmes techniques aujourd'hui. Et je veux m'assurer que tout va bien. Donc là, en fait, j'avais envie de m'amuser sur la gamme de do majeur, tout simplement. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un enchaînement en 2-5-1, un 2-5-1 traditionnel, voilà, un 2-5-1 traditionnel jazz. Et j'ai bien envie de m'amuser avec. Voilà, je suis en train de parler dans le vide. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonjour à Maromri, est-ce que tu m'entends cette fois-ci? Alors, je sais que l'image est un peu saccadée. Il faudra que je contrôle ça, mais au moins, est-ce que niveau son, est-ce que ça fonctionne cette fois? Dis-moi si tout va bien niveau son. Voilà, je sais que je vois que tu es sur la chaîne YouTube Armo Chopin cours de musique. Dis-moi si tu vois bien niveau son. Pour que nous puissions, parce que voilà, oui, c'est bien maintenant, super, ok, génial, merci. Donc, on va pouvoir y aller. Alors, je vais partager final, share screen, tac, je partage l'écran, voilà, et donc, voici final, donc, plan sur un 2-5-1 majeur. Donc, en fait, ce qu'on appelle le 2-5-1 majeur, alors, je vais prendre la gamme de Do majeur, tout simplement. Alors, évidemment, moi, je joue sur mon harmonica fétiche, ma bête de course en si bémol. Donc tout ce que vous allez voir en fait, ça va être joué, vous allez entendre un ton plus bas, puisque je pense do, mais en fait, comme c'est un instrument si bémol, tout sonne un ton plus bas. Alors, donc tout sonne en si bémol, le son est en do tout simplement. Donc l'idée, c'est qu'on a l'accord de Ré mineur 7, ensuite l'accord de Sol 7 et l'accord de Do majeur. Voilà, deux fois. Okay? Et on a ça tout le temps. On change pas une équipe qui gagne. Tac. L'idée, ça va être de trouver des plans qui vont bien sonner sur cet enchaînement qu'on appelle 2-5-1, puisque 2 par rapport à Do, Ré, c'est le 2, et 5, c'est le, c'est, enfin, G, enfin, Sol, c'est le 5, je vais y arriver, et Do, évidemment, c'est le 1, d'accord? Voilà, donc on appelle ça un 2-5-1. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça. Voilà. OK.
Ça va faire des plans sur quatre mesures. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de les jouer, mais ça va être de les apprendre par cœur. Okay, voilà. Donc, ça peut vous donner des idées. Alors, le premier plan est tout simple, mais encore fallait-il y penser. C'est de jouer sur la gamme de Ré dorien. C'est-à-dire, on commence par Ré et on va jusque Mi. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, soit on dit je joue en Ré dorien, soit tout simplement on joue la gamme de Do majeur, mais à partir de Ré. Quoi. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que je commence sur la fondamentale, je fais Ré, Mi, Fa. Je recommence. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Do, Ré, Mi. C'est tout simple, mais ça, c'est pas mal parce que du coup, ça prouve que même si les accords s'enchaînent, hein, le Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do, ça s'enchaîne par carte, bah, le fait de le faire comme ça, ça fait que bah, on peut jouer la gamme tout simplement. Alors, j'aurais aimé vous préparer une piste d'accompagnement, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai eu d'énormes problèmes techniques et mon Benino Box ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Ça me met en colère quand la technique ne fonctionne pas. J'ai les haut-parleurs qui ne fonctionnent plus. Enfin bon, bref, il y a plein de problèmes aujourd'hui. Bon, bref, et donc du coup, je vais faire ça simplement au métronome. Donc, je vais me mettre à 84 à la noire. Et donc, je vais jouer ces plans. Donc, je joue ça. Une fois les yeux ouverts, une fois les yeux fermés pour la vendre par cœur. 1, 2, 3, 4. Bon, ça, c'était pas très dur. Maintenant, le plan suivant, alors c'est Ré, et ensuite, donc c'est à peu près le même, sauf que si on joue Ré, Mi, Fa. Ré, Mi, Fa. Okay, et on recommence ici. Donc, on transpose tout simplement Sol, Sol, La, Si. Et Do, Do, Ré, Mi. La perdrie. Non, pas la perdrie, pas ici. Do, Ré, Mi, la perdrie. Ça me fait penser à un vieux... Les chansons que j'apprends à mes élèves pianistes, les jeunes élèves pianistes. Alors voilà, donc Ré, Ré, Mi, Fa, bon on y va. Donc, une fois les yeux ouverts, une fois les yeux fermés. C'est pas très difficile. Alors, suivant. Alors, l'idée après, c'est d'aller jusqu'à la quinte. Donc, on part de la fondamentale, on va jusqu'à la quinte. Donc, ça fait Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ré, Mi, pardon. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Après, on repart de Sol, la fondamentale, Sol, La, Si, Do, Ré. Pardon. Si, Do, Ré. Et après, on repart d'ici, de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors, pas la peine de jouer aussi haut. Tac, 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 et encore tac. Voilà, donc, j'y vais. Bon, ça va, est-ce que vous entendez le marteau-piqueur? Je pense pas, mais moi, ça me vrille la tête, mais j'espère que vous l'entendez pas, parce que sinon, ça va vraiment être pénible. 2, 3, 4. Pas bon, bah parfait, ouf, je suis seul à en avoir plein les oreilles, mais tant mieux hein, parce que l'enregistrement ça n'irait pas du tout. Bon, bah, moi ça veut dire que simplement il faut que je me concentre et que je fasse fi des bruits, même si c'est un peu difficile. Alors, je me concentre sur ma musique. Très bon exercice de concentration finalement. Alors là, l'idée c'est de faire Ré, Mi, Fa. Donc, on fait le degré 1, le degré 2, le degré 3. Et après, on va directement au degré 5. Ré, Mi, Fa, La. Et
on arrête là-dessus. Donc là, ça fait sol, la, si, ré. Et do, ré, mi, sol. Do, ré, mi. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça à chaque fois. Do, ré, mi, sol. Sol. Sol, sol. Voilà. Okay. Alors, je n'ai pas mis la tablature. Si vous voulez, je vous la mets comme ça. Si vous voulez travailler les plans. Ré, mi, fa. Alors, on peut le faire dans le médium et dans l'aigu. Moi, j'aime bien travailler dans le grave quand je peux. Ça, je trouve ça beaucoup plus joli. Ré, ré, mi, fa, sol, sol, la, si, do, do, ré, mi, do, do, ré, mi, ré, mi, fa, sol, la, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol. Ici, c'est ré, mi, fa, la. C'est beau, hein, l'enchaînement 2 altéré 2 fois, 3 altéré 2 fois. Ensuite, sol, la, si, ré, do, ré, mi, sol, do, ré, mi, sol. Souvent, on me dit, mais pourquoi tu t'embêtes à faire des notes altérées, alors que ré, mi, fa, la, tu pourrais faire dans le médium. Ben, c'est pas que je m'embête, c'est que je trouve ça plus beau, c'est tout. Donc, on y va. Donc, ré, mi, fa, la. OK. Donc, une fois les yeux ouverts, une fois les yeux fermés. 3, 4. Ok, bon, ça va. Ensuite, alors l'idée, c'est carrément de monter toute la gamme. Alors là, c'est vraiment un exercice. Hein. C'est pas hyper musical, mais enfin, c'est pas grave. On le fera quand même. Donc là, je prends la gamme et toute la gamme, toutes les notes. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, pardon, ré, et j'enchaîne. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, voilà, franchement, c'est vraiment histoire de travailler la gamme, mais bon, c'est pas grave, hein, on va le faire quand même. Ré, donc ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ok, c'est parti. Bon, voilà, je vais le faire directement les yeux fermés. Pas la peine de le faire les yeux ouverts, j'ai compris le principe. Alors, 2, 1, 4. Ça va, c'est pas très dur. Alors après, un peu plus intéressant, l'idée c'est de jouer sur les trois notes pivot de chaque accord, donc c'est-à-dire la fondamentale, la tierce et la quinte, c'est ça qu'on appelle les notes pivot. Donc voilà, donc ré, fa, la, sol, si, ré. Une fois qu'on a compris l'idée, en fait, on n'est pas obligé de regarder le modèle, il suffit de faire. On va le faire ici, par exemple. Voilà, do. On peut le faire l'octave qu'on veut. Mi, sol. Ça aide à transposer, en fait. L'idée, c'est... Moi, je le fais comme ça pour vous montrer. Mais une fois qu'on a compris le principe, on peut le faire sans avoir besoin de l'écrire, évidemment. Donc, j'écris la tablature en dessous. Ça, c'est juste pour vous. Moi, j'en ai pas besoin. Ré, fa, la. Sol, si, ré. Do, mi, sol. Do, mi, sol.
Donc, bah, pareil, je vais faire directement les yeux fermés. 2, 3, 4. Ah oui, je l'ai fait. On peut le faire avec le 4, mais je l'ai fait sur 1, 2, 3, mais on peut le faire sur 4, 5, 6. Ensuite, bon, jusque-là, c'était rien de. Enfin, bon, voilà, ça donne simplement des idées. Alors, maintenant, c'est Ré, Fa, La. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire les quatre sons de l'accord. Donc, Ré, Fa, La, Do. Après, ici, si je transpose, ça fait Sol. Ah, ça y est, le marteau-piqueur s'est calmé. Si, Ré, Fa, c'est peut-être la pause. Bah non, il n'est pas encore midi pourtant. Ensuite, ici, Do, Mi, Sol, Si. J'aime bien, je préfère le faire dans le grave, moi je trouve ça nettement plus beau. Do, Mi, Sol, Si. Et encore ici. Là, je peux faire Si, Do, comme ça, Si, Do, ça s'enchaîne bien. Et Mi, Sol, Si, par exemple. Donc, avec la tablature. Donc là, ça fait Ré, Fa. La, Do, Sol, Si, Ré, Fa, Do, Mi, Sol, Si, Do, Mi, Sol, Si. Voilà. Donc, on dit. Donc, directement, les yeux fermés. Sympa. Ensuite, alors maintenant, l'idée c'est de travailler l'arpège donc de quatre sons en montant et en descendant. Encore une fois, ça fait très exercice. Ré, Fa, La, Do. On enchaîne. La, Fa, Ré. Et on recommence ici. Sol, Si, Ré, Fa. On enchaîne. Ré, Si, Sol. Do, Mi. Do, Mi, Sol. Do, Mi, je vais y arriver, oui. Ah, Sol, Si. T'énerve pas, Bertrand, t'énerve pas. Sol, Mi, Do. Do, Mi, Sol, Si. Si, Sol, Mi, Do. Pouf, pouf. Donc, ici. Un peu. Ici donc, ça fait Ré, Fa, La, Do, La, Fa, Ré, Sol, Si, Ré, Fa, Ré, Si, Sol, Do, Mi, Sol, Si, Sol, Mi, Do. Do, Mi, Sol, Si, Sol, Mi, Do, par exemple. Et voilà. Donc, alors par contre, ça, je vais baisser un peu parce que ça s'entrechoque avec les notes. Voilà, c'est mieux de le faire comme ça. Tac. Je vais rajouter des mesures puisque ça va permettre de. Voilà, d'en écrire plus. Tac. Voilà, parfait. Alors, donc on y va. Ré, Fa, La, Do, La, Fa, Ré. Donc je vais faire directement sans regarder. Ça va tout seul. Alors maintenant, donc double barre ici pour montrer que c'est la fin du plan. Tac. Hein? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose d'autre?
Refa la do mia. Cette fois-ci, on va jusqu'à la neuvième. Ça commence à être intéressant. Donc, Refa la do mi. La neuvième majeure, elle sonne sur tous les accords, c'est pratique. Sol, si, ré, fa, la. Et do, mi, sol, si, ré. Do, mi, sol, si, ré. Donc, voici la tablature. Tiens, les accords, ce serait bien de les remettre ici. Ré mineur 7, sol 7, do majeur. Voilà. Donc, quand on n'écrit rien dans une mesure au niveau des accords, ça veut dire que c'est la même chose que l'accord précédent. Ça évite de l'écrire à tous les temps parce que ça peut changer. Voilà, comme ça, si on voit qu'il n'y a rien, ben c'est que ça ne change pas. Je me suis trompé. J'ai mis Ré, Fa, Sol, Do, Mi. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est Ré, Fa, La, Do, Mi, bien sûr. Donc, petite faute de frappe. Ré, Fa, La, Do, Mi. Sol, Si, Ré, Fa, La. Do, Mi, Sol, Si, Ré. Do, Mi, Sol. Soit vous mettez le 3 aspiré, le 4, ou enfin, le 3 soufflé ou le 2 aspiré. Moi, je préfère le 2 aspiré généralement sur le sol. Ça plus sympa, voilà ici. C'est un réflexe parce qu'il y a des effets. On peut faire plus d'effets sur un 2 aspiré que sur un 3 soufflé. Donc généralement, je fais plutôt comme ça, mais faut être comme vous voulez. Donc voilà. Donc je le fais directement sans regarder au métronome. Pardon. Voilà, bon. Il nous reste un peu de temps. Alors, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Mi, Ré. Alors, ça, c'est un peu plus intéressant. Cette fois-ci. Donc, je vais remettre les accords ici. Ça va monter. C'est juste le titre. Alors, donc, Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7. Enfin, Do majeur, pardon. Uniquement. Donc, pouf. Pied. Voler. Voilà. Donc, là, on fait quoi? Alors, on fait Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, Ré, Mi, Fa, Ré, Mi, Fa, Sol. Après, là, et on saute le sol, ce qu'on appelle un saut de note, Mi, Ré. Voilà. Donc après, Sol, La, Si, Do, Ré, Si, Sol, Fa. Non, c'est pas ça. La, Fa, Mi, Ré, Ré, Si, La, Sol. Voilà. Et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Ré, Do. OK. Alors, je vais écrire la tablature en dessous. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Mi, Ré, Sol, La, Si, Do, Ré, Si, La. Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Ré, Do. Hein? Alors, dans les accords, je vais les baisser un peu. On choc avec la tablature. Alors, on y va. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Mi, Ré. Alors, directement. Bonjour Carmen. Directement en fermant les yeux. Alors, je vais peut-être le faire une fois avec les yeux ouverts quand même. Deux, trois. Pardon.
Voilà. Ben voilà. Donc on a voilà, on s'est amusé avec quelques petites phrases de jazz sur le 2-5-1. C'est toujours bon d'en travailler un peu. Alors, dans cette méthode-là, à Bersold, voilà, si vous voulez l'apprendre, c'est pas mal du tout. Et il y a des dizaines et des dizaines de plans dans toutes les tonalités avec l'analyse. Donc, c'est pas mal, quoi. Moi, j'aime bien et j'aime bien me replonger dedans de temps en temps. Ça fait toujours du bien. Là, j'ai présenté les plus simples, mais ça donne des réflexes. Et puis, bon, il y a des choses, on pourra en refaire un peu si vous voulez. Je ne vais pas vous recopier tout le bouquin quand même, je n'ai pas le droit de le faire, mais là, ça vous donne une idée de ce qu'il y a dedans. Et voilà, c'est ah tiens, c'est voilà, c'est en fait c'est une démarche, quoi. C'est vraiment le plan, quoi. C'est, ah bah tiens, je vais approcher telle note avec telle note, etc. Et puis voir ce que ça donne. Ah tiens, ça sonne bien ce truc-là. Puis hop, ça nous donne des réflexes. Et donc il y a ça sur les 2-5-1 majeurs, mineurs, sur des enchaînements d'accords. Il y a plein d'enchaînements d'accords qui sont proposés, avec les gammes qui correspondent, et donc tout ce qu'on peut faire dessus, et plein d'idées, quoi. Alors, c'est pas exhaustif, forcément. Il y a toujours plein d'autres idées qu'on peut trouver, mais ça va quand même très loin. Donc, du coup, ça fait du bien, quoi. Voilà. C'est vraiment sympa. Ouais. Exactement. Effectivement, on peut travailler toutes les gammes avec ce genre d'exercice. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, si tout ça, ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube et le j'aime de Facebook. Et nous nous retrouvons donc demain de 11h à 11h30 pour travailler bah, sans doute du jazz. Peut-être que je vais continuer sur le 2-5-1 ou sur Double, je verrai bien. Bon, des fois, j'aime bien faire une petite pause jazzy, enfin beaucoup plus traditionnelle sur les enchaînements de jazz, puis de temps en temps revenir au blues. C'est pas mal de faire tout ça. Ok, voilà, donc bah, on se retrouve, donc demain on sera samedi, et samedi, petite surprise, il y a une, je vais faire merci pour le pouce en l'air Carmen, j'ai fait un cours pour apprendre à jouer The House of the Rising Sun, les portes du pénitencier, et donc je vous présente ça demain midi, donc de 11h à 11h30, on travaille ensemble, du jazz sûrement, et à partir de midi, vous verrez, je ferai une démonstration du morceau The House of the Rising Sun, le porte du pénitencier, et je vous montrerai comment on peut apprendre à jouer ce morceau. Voilà, donc rendez-vous demain. Allez, bonne journée, bonne musique, à demain matin.